nous répondons à la mission. Si la question était posée dans la réquisition, et déterminer le type de balle, nous irons répondre. Nous avons donné ces réponses ici aux questions, comme je l'ai dit. Ce sont des questions. Nous sommes venus pour éclairer la cour. Nous n'allons pas nous dérober devant cette mission. Et je réponds encore pour dire que les caractéristiques des plaies ainsi que les lésions causées ne nous poussent pas à croire que ce soit une balle en caoutchouc. Et nous les faisons bien, sans, je ne sais pas, toujours sous réserve de l'expert balistique. La police scientifique a pour rôle de rélever les traces et les indices sur la scène des crimes. Et le légiste, lui, lorsqu'il est devant une dépouille, c'est d'en déterminer la cause des décès ou les circonstances des décès. Nous nous arrêtons là. Normalement, sous d'autres cieux, là où les choses sont organisées, lorsqu'il y a eu un incident, la police technique descend accompagnée d'un médecin légiste pour rélever ces indices et ces traces. Et éventuellement, lorsque le corps doit être déplacé dans un amphithéâtre pour autopsie, que le médecin légiste s'assure que la scène des crimes ne soit pas polluée ou n'ait été pas polluée. Ça, c'est de peine. Malheureusement, dans notre pays, ça ne se passe pas comme ça. La police technique descend son tour et le légiste est appelé même une semaine, deux semaines après pour faire l'autopsie. Ou parfois c'est l'inverse, c'est qu'il y a un non-sens. La police technique vient faire des observations sur un corps déjà autopsié. Ça ne vaut pas de la peine. Ça, c'est un dysfonctionnement. Mais au moins, au niveau des missions, ce sont deux choses différentes. À la deuxième question, le légiste répond à la mission. Nous ne divaguons pas dans un rapport pour raconter tout ce que nous voulons ou tout ce qui ne nous est pas demandé. Nous répondons à la mission. On nous a demandé d'examiner le corps de monsieur aussi. On nous a demandé de l'embaumer et de déterminer la cause de son décès. Point barre, et de faire rapport. Nous avons examiné le corps, nous avons donné la cause du décès, nous avons embaumé le corps. On ne nous a pas demandé, dans cette réquisition, il n'y a pas une mission qui nous demande de dire par quel type de projectile a-t-il trouvé la mort. On ne nous demande pas ça. Nous ne répondons pas à ce qui ne nous est pas demandé. Sinon, nous allons commencer à dire ce que nous n'avons pas vu et peut-être garder silence devant ce qu'on a vu. Donc, c'est un peu ça. Nous répondons à la mission. Ici, nous avons répondu aux questions des parties nous posées par la Cour. C'est pourquoi nous sommes arrivés à ces réponses.